Salut à tous! Donc voilà. Donc là, on a réussi à démonter le petit carreau avec la machine. Mais les autres, impossible. Donc on va devoir la casser quand même. Donc voilà. Donc c'est pas moi qui casse, c'est le grand. Donc je vous laisse avec. Allez, t'as l'air. Au milieu. Recule un petit peu. Vas-y, et tu tapes. Plus fort. Voilà, Malo, carreau 2. Allez, Malo, vas-y, tu peux le péter. Oh, cool, Malo. Putain, quel effet de. Effet brisé. Allez, c'est bon, je te remercie, mon grand. On va mettre le vernis. C'est comme si j'ai mis sur les photos sur Instagram. Les carreaux sont démontés. Je vais vous faire voir un petit peu. Les carreaux, ils sont tous démontés. Les trois. Donc là, on va commencer à attaquer les panneaux. Donc mon garçon, il a commencé à mettre le vernis tout le tour. Oui. On a mis un vernis. Et on voit un petit peu là qu'il colle encore. Donc on a mis un vernis tout le tour pour dire de protéger le bois. On a déjà pré-percé ici. Donc là, je percerai après le reste ici. Tout le tour comme ça. Autour du panneau. Les trois autres sont là, sont prêts. Les vernis aussi sont faits. Il me reste plus qu'à attaquer les panneaux à mettre. Donc là, on va mettre les tréteaux qui sont là. On va les mettre là. Sur celui-là ici. C'est celui-là qu'on va attaquer en premier. Et après, je vous expliquerai pour les joints. Donc voilà, à tout de suite. Bon bah voilà, on est parti. Donc là, j'ai pré-percé les plaques pour après juste la coller. Donc vous pouvez regarder là, j'ai percé les plaques et j'ai fraisé tout le long. Bonjour Malo. Voilà. Donc là, je vais mettre ma colle. Donc là, c'est une colle, c'est un joint colle. Polyuréthane, donc c'est un joint que c'est un joint comme les carrosseries de voiture, donc ce qu'on prend pour les voitures. Une fois qu'il sèche, il est dur et franchement, il colle très bien. Une heure de travail, donc franchement, vous avez largement le temps de mettre votre colle et votre panneau ou n'importe quoi. Ça colle le métal, le plastique, la fibre de verre. Il faut tout support. Donc voilà. Donc comme là c'est un panneau à base de plastique au-dessus et contreplaqué, donc il y a deux plastiques de chaque côté. Donc là je vais commencer à mettre ma colle. Donc surtout n'hésitez pas à mettre de la colle pour pas avoir peur. Surtout ne pas hésiter à mettre pas mal de colle. Voilà. On s'en fout que le joint n'est pas régulier ou pas. Bon, bah, on va devoir changer de cartouche. On y suit sur la carrosserie.
Voilà. On remet le même embout. Pour éviter de perdre toujours de la colle. On remet sur le même embout. Et c'est reparti. On pompe. Et puis c'est parti. Voilà, comme vous avez bien vu, j'ai remonté sur le dessus de mon autre joint. Vous voyez ici, j'ai le premier joint qui passe en dessous, j'ai le deuxième qui passe au-dessus. C'est pour ça que quand ça va venir se mettre collé dessus, il va venir s'écraser. Donc il va faire un joint et il n'y aura pas de fuite. Donc là maintenant on va coller le panneau. Donc voilà, là on est à la dernière plaque. Donc celle-là elle était faite, collée et vissée. Et là, il ne nous reste plus que celle-là. Et puis, ben, tout le côté y est fait. Ça y est, premier côté y est fait. On va être tranquille, je pourrais souffler un peu. Ça va faire du bien. Maintenant, il va falloir que je retourne de côté pour casser tout le reste. Mais là, ce que je ferai, c'est que je casserai, comme je l'ai fait là, trois carreaux à la suite. Et ça va beaucoup plus vite. Donc vous voyez, c'est comme j'ai bien dit, quand vous mettez les vis, il faut que le joint déborde. Le joint déborde, vous voyez, tout le long. Faut que ça déborde. Et regardez, je vais vous faire voir sur la plaque devant. Vous voyez, regardez le joint. Tout le long. Et tout le long, il déborde. Vous voyez? Tout le long. Et là, tout le long. Tout le long, jusqu'en haut. Il faut que ça déborde. Même si ça déborde pas beaucoup, il faut déborder au maximum. Après, vous avez toutes les vis qui vont tout autour. Donc je vais certainement rhabiller là. Je suis en train de voir avec mon beau-frère qui est menuisier. Donc je vais certainement tout rhabiller. Donc je ne sais pas comment faire, mais je vais rhabiller. Donc voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour la dernière partie de cette vidéo. À tout de suite. Donc voilà. Donc là j'ai fait un petit essai de joint, vous voyez. Tout le long. Pour voir comment ça se fait, comment on fait pour reboucher, si c'est propre ou pas. Donc franchement, ça fait super propre. Vous voyez. Donc quand je vais reboucher après toutes les vis. Je reboucherai quand j'aurai tout fini. Je reboucherai toutes les vis. Et quand j'aurai fini de mettre mes trous de fenêtre, faut que j'ai mis les fenêtres. Les trous de fenêtres. Je mettrai coup de ponçage partout, masticage, tout ça. Et puis après, je mettrai tout en après cette partie haute. Comme ça, je serai déjà tranquille et il sera en après, ça sera plus joli. Ça sera beaucoup plus propre. Et après, je ferai la partie basse, donc on voit les poids de rouille, que j'ai déjà fait voir dans les vidéos précédentes. Et une fois que ça c'est fait, après, je suis tranquille. Mais là, aujourd'hui, j'ai fini. Je vais juste débarrasser ce que j'ai à débarrasser, nettoyer l'intérieur, les bouts de verre. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de l'épisode de 7. Normalement, ça doit être 7. Donc voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.